Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez qu'on va avoir un problème d'eau dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Mais c'est quelque chose que j'avais parlé, dont j'avais parlé et qui me tracassait. Bon, donc là je vous propose une solution très très, on va dire, efficace et révolutionnaire. Alors, ça fait déjà depuis plusieurs secondes que vous voyez devant votre écran cette espèce d'appareil là, ce générateur, c'est un générateur d'eau. Et si vous savez lire l'anglais, vous voyez que c'est marqué water from air. Ça veut dire de l'eau à partir de l'air. Alors c'est quelque chose vraiment vraiment de révolutionnaire, invention française et qui est très peu connue en France parce que on a forcément des gens, des organisations, des, on va dire même des producteurs, enfin, bref, qui ne veulent pas que cette invention soit connue. Je vous explique rapidement et puis je vous mettrai une documentation en dessous de la vidéo, etc. Alors en fait, cet appareil reproduit le cycle naturel de l'eau, de condensation de l'eau. Vous savez qu'en fait l'eau s'évapore à partir des mers et des océans, ça fait des nuages et ça retombe sous forme de pluie sur la terre et ça va nourrir les nappes d'eau douce. Bon. Avec cet appareil, eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a absorption de l'air ambiant. Donc cet appareil, vous le mettez à l'intérieur de votre appartement, de votre maison, vous ne le mettez pas à l'extérieur. Et donc l'air va être brassé et va être transformé en eau. Alors il faut savoir, et ça c'est vraiment la chose peut-être la plus importante, c'est que l'eau ainsi produite est pure. C'est-à-dire que vous évitez tous les problèmes de métaux lourds qui sont dans l'eau de pluie, de bactéries évidemment, et vous évitez aussi tous les problèmes d'eau en bouteille avec les microplastiques qui sont très très mauvais pour notre corps. Donc cette eau là, elle est parfaite, elle est pure, elle est saisie dans l'air, et donc que dire, on peut pas faire mieux. Bon, alors l'inventeur a aussi mis des filtres derrière l'appareil, alors des filtres pour filtrer encore les petites impuretés qui peuvent être dans l'air. Et aussi un filtre qui va vous minéraliser l'eau de façon à ce que vous puissiez la boire de suite et que cette eau soit justement, encore une fois, chargée de tous les minéraux bons pour le corps. Bon, alors qu'est-ce qu'il vous faut pour cet appareil? Ben vous voyez, en fait, il vous faut un peu de place, mais pas trop, hein, vous voyez un petit peu le bazar. Voilà, moi j'ai une toute petite pièce, donc il faut quand même avoir un petit peu d'espace à gauche, mais enfin pas énormément, hein, à droite, derrière. Le générateur, il fait 1,12 m de hauteur et il fait 40 cm de profondeur et de largeur. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous avez un appartement, ben, ça ira parfaitement dans votre appartement, même si, encore une fois, vous avez un problème de place. Bon. Alors, une autre condition qui peut être intéressante, c'est le taux d'humidité. Donc, moi, je suis dans une région, vous savez bien où je suis, en Allemagne, hein, où il pleut beaucoup, bon, donc forcément, on a un taux d'humidité, vous voyez, aujourd'hui, ben, il pleut, donc j'ai 50%. Donc c'est vrai que plus vous avez l'humidité, plus votre appareil va produire de l'eau. Alors, pour vous donner un exemple, en Guadeloupe, où il y a 80% d'humidité, ce générateur produit 30 litres d'eau par jour. Oui, oui, j'insiste, par jour. Donc moi, avec 50%, j'avais un peu moins les derniers jours, j'ai dû faire une quinzaine de litres par jour. On a même dû arrêter la machine parce que c'était trop. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez ensuite stocker l'eau, donc dans des conteneurs, hein, comme vous voulez. Et puis, quand vous en aurez besoin, vous pourrez remettre encore ou repasser l'eau dans votre générateur, c'est possible, hein, que ce soit encore refiltré et donc repurifié. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment faire des stocks d'eau. Donc, c'est génial. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça consomme pas beaucoup d'électricité, hein, c'est à peu près 300 watts, hein, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, vous pourrez demander à la personne qui s'occupe de commercialiser le générateur. Le prix est très raisonnable, vous regarderez vous-même. Hein, enfin, pour l'investissement, moi je trouve que ça vaut le coup vraiment d'investir. Vous avez ici, alors je vous montre un petit peu, vous voyez, 50%, enfin, c'est le taux d'humidité. Et puis vous avez ici deux réservoirs, alors en tout vous avez 16 litres. Donc, et quand les réservoirs sont pleins, eh bien, la machine s'arrête automatiquement et vous videz votre réservoir. Et puis, donc vous mettez ça dans ce que vous voulez, hein, dans les bouteilles.
vous les réservez, vous les buvez, enfin, vous faites ce que vous voulez, et après, hop, vous remettez le réservoir et ça redémarre. Donc, il y a très peu d'entretien, il faut juste nettoyer de temps en temps la poussière au niveau des réservoirs. Sinon, il n'y a rien. Au niveau des filtres, ça dépend lesquels. Il y en a certains, il faut les changer tous les 6 mois, et d'autres jusqu'à 2 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment pas contraignant, on va dire. Le prix est quand même pas énorme. Donc, moi, j'arrête les tout ce qui est, vous savez, les filtres dans les... Comment on appelle ça? Ah, je ne me rappelle plus. Les espèces de... voilà, je cherchais le mot, les carafes. Vous savez, les carafes filtrantes. Donc ça, j'arrête parce qu'il faut changer les filtres assez régulièrement. Et puis, vous avez toujours, en fait, de l'eau du robinet dedans. Donc, bon. Donc là, il n'y a plus d'eau du robinet, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de transporter des packs d'eau, que ce soit en verre ou en plastique, d'ailleurs. Hein. Là, bah, vous avez votre eau qui est pure, qui est parfaite. Et en plus... vous avez besoin que de brancher la machine, c'est tout, et ça marche, voilà. Donc vous avez une autonomie en eau, et ça c'est vraiment quelque chose extrêmement important, j'insiste. Donc voilà, j'avais dit à la personne qui commercialise l'appareil que je ferai une vidéo pour vous faire connaître justement ce générateur, parce qu'il faut s'entraider. Et parce que je pense vraiment, vraiment que c'est quelque chose qu'il faut faire connaître, qui va vraiment, à mon sens, vous soulager du gros problème de l'autonomie en eau. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Voilà. Alors là, j'ai mon assistant, n'est-ce pas? C'est mon mari. Hein. Il va vous montrer. Voilà, donc il appuie sur le petit bouton. Donc on a été chercher, comment on appelle ça en français déjà? Je ne sais plus, comment on appelle ça? Une espèce de pot, vous savez, graduée. En allemand c'est Becher, mais en français je ne sais plus. Enfin bref, et on va voir. Alors on ne va pas évidemment vider le générateur, mais voilà, je vous montre. Vous voyez, donc là on est à combien? 1 litre. 1 litre. Voilà, 1 litre d'eau. Voilà, et on va s'en servir, on va aller boire. Donc je voulais vraiment vous montrer ça. Donc ben, j'ai posté ça. Si vous avez des questions, je pense que vous pourrez vous adresser directement à la personne spécialiste. Hein. J'ai essayé de donner des informations les plus importantes. Moi je suis ravie, je suis très très contente. On a déjà fait des packs d'eau en réserve. Donc on va pouvoir s'en servir pour boire, pour cuisiner, pour la machine à café, et puis même pour arroser les plantes. Enfin, faites ce que vous l'avez, hein. Ou faites ce que vous voulez avec, pardon. Et donc voilà. Et ah oui, alors plus important aussi, c'est que la personne qui commercialise les générateurs, qui s'appelle Christophe, va faire un code promo, voilà, pour vous donner 5%. Donc il faudra rentrer le code MADI, M-A-D-I. Quand vous passerez commande. Et la dernière chose qu'il faut savoir aussi, c'est le délai de livraison. Alors ça peut mettre entre 2 et 3 mois, c'est encore assez lent et assez long, c'est vrai. Donc n'attendez pas trop, parce que je crois que vraiment les problèmes vont s'accentuer au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Si vous voulez avoir une livraison plus rapide, il y a un surcoût, parce que à ce moment là votre générateur arrivera par avion. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir, mais c'est génial, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que l'air, on en a, pour l'instant, on en a en quantité, ça coûte rien, alors que moi, je sais très bien que tout ce qui est pack d'eau, ça va augmenter de prix, l'eau du robinet, ça va augmenter de prix, et en plus, on ne sait pas ce qu'on boit, alors que là, encore une fois, vous avez une eau parfaite. Voilà, bah écoutez, je vous fais la bise, et je vous dis à bientôt, au revoir.